C'est ça que je cherchais dans l'air, ça vient de revenir. La deuxième position, elle est de 50 années. Elle porte le numéro 77 de l'équipe de Patrick Pinino. Alexandra Bélanger qui est en deuxième position. Et la troisième, celle qui a terminé le deuxième tour. Dame, Lorraine, Méliane, Gajon, les dames dans le circuit de motocross ont fait un beau calendrier et c'est Eric Snyder. On va voir avec Roxane Fournier dans le paddock, 214. En temps rentre, on est disponible juste pour lui. Vous allez la voir et puis elle va vouloir ça. On est allé une course, toujours une course au de bout en bout par le dessus numéro 14, Alexandre Fournier en deuxième, de Saint-Antonin, c'est Alexandra Bélanger. Et la troisième position est détenue par le dessus numéro 512, Bergeron qui est sur le 125. C'est le fun de ce là. Dernier tour à compléter dans cette finale. Coupe féminine. Oh, Alex a tombé. La deuxième place, et pour la troisième, pour Léon, 77, elle nous vient de Saint-Antonin. Elle est commencée par Camping Lilo, et j'ai nommé Alexandra Bélanger. Elle termine en première position pour cette deuxième finale de la soirée. Elle nous vient de Montmagny, elle est commencée par Performance GP. Elle vend des calendriers avec Strider. Je l'ai plugué pendant tout le temps de ta course. Parce que je ne voulais pas avoir 20$. Sérieusement, des super beaux calendriers. Et j'ai nommé Roxane Fournier. Donc trois championnes de la soirée.